Bienvenue pour suivre Nouvel Sport aujourd'hui. Nous commençons avec une nouvelle nationale. Basketball, Benzen Zoué qui participe de la compétition à l'Afrique 3 contre 3, peut souhaiter que la fédération y contient expose autres avec une compétition pareille. De l'équipe en bas 18 ans qui représente Cécile, de tournoi qui t'y fait Botswana semaine passée et une médaille d'argent pour un garçon, il montre potentiel qui Cécile y en a de sa sport. Bonne équipe qui retourne de pays aujourd'hui après-midi. Tiens l'arrivée tranquille pour sa bande Zenzoué Basketball qui t'y participe de sa compétition 3 contre 3 à l'Afrique qui t'y fait Botswana. Pour rencontrer les autres, l'OE Porte, Timam Fédération Basketball, représentant NSC et bonne famille. Bien sûr, l'honneur tient pour les 4 Zoué garçons, Saïstan Jean, Chris Boucherot, BJ Bertin et Hensley Boustol, qui t'y remportent médaille d'argent catégorie en bas 18 ans après perdu 14-17 de finale contre Zimbabwe. Pourtant, c'est celle qui termine premier dans notre groupe avec 3 victoires, le Congo, Djibouti, aussi bien que Zimbabwe, le score 10, le 7, qui peut regarder comme une meilleure équipe de catégorie en bas de 18 ans. Franchement, ça tourne assez facile. Mais c'est un petit faute technique le dernier qui nous perdit sa finale. Mais mon quoi faire la compétition là, avant nous, premier. Mon quoi, confidence est vraiment haut, nous avons fait. Plus moyen de voir. Moi, la compétition, ça c'est ok. Mon panneau est un petit peu en dernier, et il finit comme ça pour nous, dernier game de finale. C'est moi, la compétition, c'est normal. Par exemple, je refouille, et c'est moi qui ne peux pas refouiller. Tout une colle, qualité colle, je ne connais pas que je suis sorti, je fais un lay-up, je fais un offensive foul. Quand même, nous perdons, pas histoire à point. Tout de même, médaille d'argent, il y a un grand accomplissement pour sa bande Zen de première participation Cécile d'un tournoi pareil. L'équipe Fili, partie capable, remporte un match après perdu contre Burundi et Botswana d'un groupe, mais tout de même, Zotte est capable de qualifier quart finale contre encore Zotte perdu 3-8 contre Namibie. Challenging, of course. Comme si niveau maman est vraiment avancé, comparé pour nous. Maman pratique basket tous les jours, remarquez, dans les autres joueurs, ils pratiquent basket. Comparé avec nous, il n'est pas le même niveau, comme si. Et plus d'autres bons joueurs aussi, quand on a gardé, maman, ben là, quand même. Par le commencement, nous l'avons, nous actuellement prenons l'avance, mais après, comme si une tête pour l'avons, qu'il ne fait rien. Un point faible, nous, c'est moi. Si nous sommes forts, nous allons commencer, tu prends le top, quelque chose. Après notre première expérience dans une compétition pareille, Banan Zenzoué peut respecter que la fédération fait tout pour que les autres joueurs capables participent dans un tournoi pareil à l'avenir. L'association Lève Poali passe à travers beaucoup de difficultés pour amener une jeune fille dans sa sport et ça c'est évident dans notre championnat national qui t'y fait pendant le week-end. Là seulement des filles qui t'y participent et quelque chose d'intéressant tout de même, c'est qu'ils t'y voient retour Katia Telemac. Mais il faut noter aussi qu'il y a une absence du meilleur athlète Clementina Agricole qui est à l'étranger. Katia Telemac est une bonne athlète qui nous mène beaucoup l'honneur pour weightlifting Cécile et aussi pour sport Cécile à l'étranger dans une compétition internationale qui participe là-dedans. L'exemple dans Jeux des îles, African Championship et aussi Commonwealth Championship. Mais pour une raison personnelle, pour plusieurs années, Katia Telemac n'est pas capable de continuer à pratiquer sa sport. Mais 2017, avec une autre détermination, Katia a décidé de retourner dans le weightlifting et préparer, pourquoi pas, pour les prochains Jeux des îles. L'habitude, il participe dans la catégorie 48 kg, mais le week-end passé, dans sa souveraineté nationale, il participe dans la catégorie 53 kg et là, il est tout seul. Tout de même, il commence avec 45 kg d'en bas de snatch. Elle essaye qu'il passe facilement, mais après, un petit problème technique qui fait lui faire tous les délaissés pour 50 kg, ça c'est son deuxième et troisième essai. Mais par contre, dans Clean and Jerk, là, si on a une meilleure performance pour lui, il commence le 55 kg qui passe facilement. Après, il fait son deuxième essai 60 kg, mais il passe son troisième essai toujours 60 kg. Et ça, il fait lui finir avec un total 105 kg, une performance satisfaisante après seulement une semaine d'entraînement. Moi, je suis athlète. Bah, je suis un athlète senior. Il y a un peu de junior, un beginner. Moi, je suis athlète.
So, retourner là pour se désir qui au plan là les temps retourner. Moi go back quoi chez des. Meilleur. Et moi garder go oui. À la guerre. La fouille quoi là. Tu peux pas que la fouille pour se désir. Tourne mon forme. Shakira Rose est celle de l'athlète fille qui participe dans sa soirée nationale qui s'est fait samedi passé dans cette communauté 11 étoiles. Et là, c'est un athlète qui est encore un junior qui participe dans la catégorie 90 kg. Dans le snatch, il passe dedans 3 essais premiers, 10 40 kg, et après il fait son deuxième essai 45, mais encore 45 qui est en bas pour son troisième et dernier essai qui s'est réussi passé. Donc, le Ninja Clyde Fessy, qui est capable de passer tous les trois son essai, il commence avec 50 kg d'en bas. Deuxième, il fait 55 kg. Et pour son troisième et dernier essai, Shakira Rose, qui demande 60 kg. Et oui, c'est une grande célébration et aussi un grand accomplissement pour lui, le temps qu'il réussit à s'essayer 60 kg pour les finir avec un total 105 kg. Shakira Rose tient alors son prix meilleur junior dans sa compétition, même si il est tout seul. Mais tient ainsi motivation pour lui et en recevra son prix ici et tout avec son parent. Mon bien content, mon patron respecté qui m'ont parfait. Et mon feel proud of mon école. Et mon pour continuer, train hard pour moi arriver. Loin. Chairman de l'association Les Froids Cécile, la Michel Robert Rose, qui aussi le nom de son compagnon, RMP Engineering, remet un prix Lazan avec un meilleur athlète garçon dans sa compétition et sa prix Tial pour Derek Gomme. Les autres de la compagnie qui aussi finance sa compétition nationale, TISPC, avec clinique Dr. Mouti. À côté d'un athlète expérimenté dans sa championnat national, tu aussi en participation trois athlètes qui ne fait que joindre sa sport salonnais. Parmi deux, tu peux faire une première compétition et la prime meilleur junior pour garçon Charles pour Samuel Saminade. Samuel Saminade qui a 15 ans et sorti l'école en Sbalo, in zone weightlifting ta l'année 2017. Depuis son arrivée dans gym Freedom Square, il est un bon athlète fidèle au l'entraînement et sa championnat national est son troisième compétition depuis qu'il joue sa sport. Alors, c'est un moment aussi pour lui capable d'évaluer son progression pendant un an. Saminade fait son premier essai 50 kg, mais après, il passe son deuxième essai et aussi son troisième essai 50 kg et aussi 55 kg. Dans l'événement Clean and Jerk, Samuel Saminade, qui passe dedans 3 essais aussi, il commence avec 65 kg d'en bas, après il fait son deuxième essai pour 70 kg. C'est ça même ça qui reste d'en bas pour son troisième et dernier essai, 70 kg, et la Saminade qui corrige son faute et fait ici, qui passe sans un essai, et ça se fait de finir avec un total 125 kg, il tient en 6 pour son famille à côté de lui. Fabio Serré, qui en a 16 ans et sorti Persévérance, lui, peut faire sa première compétition officielle dans les poids. Serré, de la catégorie 69 kg et dans Snatch, son meilleure performance, 55 kg, un poids qui est passé dans son troisième et dernier essai. Dans Clean and Jerk, il passe son premier essai 60 kg, mais après, il fait son deuxième essai de Tambat, il s'agit 65 kg. Donc, pour son troisième et dernier essai, il a insisté avec sa même quantité de poids d'en bas et là, il est capable de corriger son faute et passe son troisième et dernier essai, 65 kg. Ça, tu fais Fabio Serré, fini avec un total 120 kg. Et l'autre nouveau venu dans les poids salonnais, Inoris Raguin, qui lit, il y en a à peine un mois de sa sport. Inoris, qui a 16 ans, est sorti de l'école en Swallow, sans lui montrer quoi qu'il apprend dans un mois. Et là, dans Snatch, quand il demande beaucoup de technique, il passe 10N dans 3 essais et ça, 35 kg. Dans l'événement Clean and Jerk, il peut arrêter un peu plus facile pour lui parce que là, il passe tous les trois son essai. D'abord, 35 kg, deuxième, 40 kg et son troisième et dernier essai, 50 kg. Raguin finit avec un total 85 kg.
APAD qui remporte une médaille. Fédération qui aussi récompense meilleur athlète junior avec un petit token financier et aussi un la coupe et la prime meilleur junior pour garçon Tchakou Samuel Saminadin. Et c'est son maman qui tire remet son prix avec lui. Aujourd'hui, mon performance est assez OK. Mais aujourd'hui, mon petit père monte un peu performance. Mon coupé dans mon main. Tout de même, m'a dit merci. Mon bon coach qui t'inspire tous les jours. Même quand même mon collègue, il dit quelque chose qui est bien. Et merci encouragement à mon bonne famille qui me descend aujourd'hui et mon parent qui cause avec moi tous les soirs. À 10 autres, merci. Mais qui vous plaît là pour les filles? Well, mon petit pour moi, c'est un peu mon technique. Et puis pour moi, mon performance par le quotidien. Je suis en compétition internationale pour l'année prochaine. Et le salon de mon terminé de sport pour aujourd'hui. J'ai plaisir qu'avec vous. Merci pour qu'il nous suive.